Alors, t'as décidé où on va cette semaine? Ah non, c'est pas moi, c'est Marcel. Il a décidé quoi, Marcel? Ah ben, il nous réserve une surprise, il paraît qu'on va au zoo. On va au zoo, avec les tigres, les lions, les panthères. Allez, Marcel, on y va. Allez, fais rugir le moteur, zoo. Ah bah je crois qu'on est arrivé. Attends, je regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Oh, bouge pas, je vais voir. Fais attention quand même, hein. Te fais pas mordre. Oh, une girafe? Chami, il y a des tigres aussi. Oh, moi je reste pas là, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des ours. C'est pas vrai, Jamy, ils ont pas mis les lions en liberté, faut faire quelque chose! Arrêtez-vous! Stop! Stop! S'il vous plaît! Vos animaux, ils sont sortis des cages! Mais c'est normal, on est dans un parc de semi-liberté, mais faut pas vous promener à pied, montez vite! Ah bah, hein. Je savais pas, moi! Oh bah, les longs, un parc de semi-liberté! Allez, je ferme la fenêtre! Eh ben oui, Fred, ici on est au parc zoologique de Thoiry. Tous les matins, on sort les éléphants et les girafes. Ensuite, c'est au tour des lions, puis des zèbres. En tout, il y a 1000 animaux sauvages de tous les continents qui vivent dans ce parc toute l'année. Allez, allô les hippos. Eux, ce sont des guanacos, les cousins des lamas. Salut les rhinos. À peine sortis, tout ce petit monde se met à table. Bon appétit. Bon, mais la plupart de ces animaux vivent dans la savane, au soleil, avec 30 ou 40 degrés. Ici, ils souffrent pas trop du climat, non? Ça dépend un peu des espèces, mais dans l'ensemble, ils s'adaptent bien. Il y a des espèces plus ou moins sensibles. Les zèbres peuvent passer l'hiver dehors sans aucun problème. Les éléphants, les girafes, les hippopotames sont rentrés tous les soirs. Et quand il fait vraiment trop froid, ils ne sortent pas même dans la journée. Ça sert à quoi ces rouleaux-là? Ça s'appelle des barrières canadiennes. Elles servent à séparer les différentes espèces quand on en a besoin. En particulier, les lions sont séparés des herbivores, évidemment. Sinon, ils en feraient leur casse-croûte volontiers. Et pendant que Fred continue à faire le tour du propriétaire, eh bien nous, on va localiser la savane africaine. D'abord, il faut savoir qu'elle ne couvre pas tout le continent africain. Elle s'étend de part et d'autre, de l'équateur sur la carte, là, c'est la zone en vert clair. Elle ne dépasse pas au nord le tropique du Cancer et au sud le tropique du Capricorne. Alors à quoi ressemble-t-elle? Eh bien, c'est une vaste prairie couverte d'herbes hautes, de bosquets et de buissons. Jamy, parle pas trop fort, tu vas leur donner le mal du pays. Tiens, le zèbre, lui aussi, il vit dans la savane. Et tu peux regarder les zèbres, ils n'ont pas tous les mêmes rayures. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes rayures, c'est un peu leur carte d'identité. On va dire que c'est un petit peu leur code barre. On a le droit de leur donner à manger, comme ça? Non. Ouais, il m'a arraché le morceau, là. Non, non, c'est tout à fait défendu. Vous avez vu, ils ont des grandes dents. Ah oui, c'est vrai. Et quand il n'y a plus de pain, ils s'attaquent aux rétroviseurs, aux vitres, aux chemises, aux bras des enfants. Tout peut y passer, c'est tout à fait interdit. Oh, il a quand même l'air mignon, celui-là. Allez, sauve-toi. Allez, on sauve-toi. Y va. Allez, au revoir, le zèbre. On trouve presque tout dans la savane africaine. Des zèbres, on l'a vu, mais aussi des antilopes, des gnous. On trouve également des plus gros calibres, comme les éléphants, les hippopotames, les rhinocéros, les girafes. Tous ces animaux font partie des herbivores, il y en a une quarantaine d'espèces. Et puis, on trouve aussi dans la savane des animaux qui ne font pas du tout bon ménage avec les herbivores. Ce sont les carnivores, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le lion. Mais il y a aussi des guépards et puis des hyènes. Bien sûr, la liste est longue. Hé, hey Jamy, viens voir, une autruche. Oh, c'est pas dangereux une autruche, non? C'est un peu dangereux, mais plus avec les pattes qu'avec la tête. Ah bon? Hop, un petit coup de bec. Les coups de bec, c'est assez violent aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, l'autruche, Jamy, elle aussi, elle doit vivre dans la savane, en principe, non? C'est un oiseau. Attention les yeux. Oh, bah, disons qu'elle a mal attrapé. Bah oui, l'autruche vit dans la savane, mais on rencontre aussi d'autres oiseaux, des rapaces en particulier, comme les vautours. Tiens, lui, c'est Eric, l'un des soigneurs du parc. Il s'occupe des herbivores. Ici, il y a une centaine de mammifères herbivores, mais comme il n'y a pas assez d'herbe,
de végétation et de pâturage pour tout le monde, eh bien on est obligé de leur ajouter des granulés comme ça. Qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans? Alors c'est plein d'oligo-éléments, de choses qui leur manquent, et puis comme ils sont trop nombreux sur la surface pour qu'ils puissent pâturer tranquillement, on leur donne un complément sous forme de granulés. Viens bébé, viens. Bon, bébé avec ses grandes cornes, c'est un bœuf Watusi. Lui, c'est un élan du Cap. Et celle qui court derrière les zèbres, c'est une petite antilope. Tous les herbivores se nourrissent de végétaux. Mais rassurez-vous, dans la savane, il y a suffisamment d'herbe pour tout le monde. Parce que l'herbe, c'est comme le poulet, il y a plusieurs morceaux et chacun choisit le sien. Le zèbre passe en premier. Lui, il adore le haut des tiges, un peu sec. Les gnous, eux, ont besoin d'une nourriture plus riche. Ils vont avoir tendance à manger les tiges moyennes, beaucoup plus grasses. Enfin, les antilopes adorent l'herbe rase, mais elles ne crachent pas non plus sur les feuilles d'arbustes. Enfin, j'en oublie une, la plus grande, la girafe. Eh bien, comme elle est très grande, elle se nourrit de feuilles d'acacia. Et tu sais, Jamy, que la grande différence entre tous ces herbivores, c'est que certains sont des ruminants et d'autres ne le sont pas. Le gnou, lui, par exemple, c'est un ruminant et c'est très pratique parce que ça lui permet d'aller finir son repas à l'abri des prédateurs. Alors pour vivre et échapper aux prédateurs, les herbivores ont besoin d'énergie qu'ils puisent dans leur nourriture. Seulement, il y a deux façons de puiser cette énergie, celle des ruminants et celle des non-ruminants. Les ruminants, ils ont un système digestif hyper performant, constitué de 5 poches, ce qui leur permet de puiser beaucoup d'énergie dans la nourriture. L'herbe est mâchée, elle tombe dans la panse. Là, des bactéries dégradent la nourriture et pompent de l'énergie. La nourriture revient dans la bouche, elle est à nouveau mâchée, puis elle retourne dans la panse, où des bactéries pompent encore de l'énergie. Puis, la nourriture passe de poche en poche. Enfin, elle arrive dans le cécum, où de nouvelles bactéries vont puiser de l'énergie. Au final, la nourriture met 80 heures pour aller d'un bout à l'autre de l'animal et 60% de l'énergie contenue dans cette nourriture est utilisée. Jamy, Jamy, moi je ne suis pas comme les gnous, je ne suis pas un ruminant. Évidemment, un zèbre ne rumine pas, comme l'éléphant d'ailleurs, ou le rhinocéros. Chez eux, le système digestif est beaucoup plus simple. L'herbe est mâchée, et elle tombe dans l'estomac. Là, il n'y a pas de bactéries, la nourriture est dégradée chimiquement. Puis la nourriture continue son chemin dans le tube digestif et arrive dans le cécum. C'est à ce niveau que les bactéries entrent en action et puisent de l'énergie dans la nourriture. Seulement, toute la nourriture n'est pas dégradée. Voilà pourquoi, dans le crottin de zèbre, comme dans le crottin de cheval d'ailleurs, on trouve des brins d'herbe. Au final, la nourriture met 40 heures pour aller d'un bout à l'autre du zèbre. Seulement, il n'y a que 40% de l'énergie contenue dans la nourriture qui est utilisée. Conclusion, pour la même quantité d'énergie, eh bien le zèbre devra manger beaucoup plus de nourriture que le gnou. Dans la savane africaine, il y a environ 2 millions de gnous qui vivent en troupeau avec les zèbres. Tiens, encore un nouveau venu. Ah ben c'est dur de se mettre sur ses pattes. Allez, courage parce que la route va être longue. Pendant la saison sèche, les gnous et les zèbres migrent vers les zones plus humides pour trouver de la nourriture. Ils parcourent des milliers de kilomètres en quelques mois sous des chaleurs torrides. Mais le voyage est semé d'embûches. Un tiers des gnous périssent à cause des prédateurs, des maladies ou des accidents. Après tous ces efforts, c'est quand même agréable de prendre un bon bain. Jamy, devine à qui je donne à manger. Bah oui, regarde, aux girafes. Ça, c'est la meilleure technique que l'on ait trouvée parce qu'elles avaient tendance à dévorer tous les arbres des alentours. Alors là, on leur a mis un petit peu de feuilles d'acacia. Il paraît qu'elles aiment bien ça. Allez, petite, c'est prêt. Je vais me reculer parce qu'elles sont quand même un petit peu poreuses. Allez à table, les filles. La girafe, c'est l'animal le plus haut du monde. Elle peut mesurer plus de 5 mètres et elle est de la même famille que le capi. La différence, c'est qu'au fil des mutations génétiques, son cou est devenu beaucoup plus long. Tiens, Jamy, petite devinette. À ton avis, elle a combien de vertèbres? Ah ben moi, je sais combien elle a de vertèbres, la girafe. Bon, selon la girafe, elle peut avoir entre 45 et 50 vertèbres. C'est ça? Mais non, combien elle a de vertèbres dans le cou? Parce qu'elle a quand même le cou drôlement long. Moi, je sais. 7. Exactement comme nous. Je sais, ça surprend. Seulement, les vertèbres de la girafe sont un peu plus grandes que les nôtres. Ça, c'est une vertèbre de girafe, entre 25 et 35 cm.
Et ça, c'est une vertèbre d'homme, guère plus d'un centimètre. Et tu sais, Jamy, que la girafe, elle a un très gros cœur. Il pèse à peu près 11 kilos. Il est capable de propulser plus de 70 litres de sang en une minute. Et bien sûr, elle est capable de faire remonter ce sang tout là-haut, jusqu'au cerveau. En revanche, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Quand elle se penche comme ça, pour manger ou pour boire, elle doit avoir le cerveau complètement inondé de sang. Bah ouais, Jamy. Quand tu mets la tête en bas, toi, tu peux pas rester longtemps comme ça? Ben non, je peux pas rester longtemps comme ça. Alors comment fait la girafe? Eh bien effectivement, quand elle penche la tête, le cerveau se trouve 2 mètres en contrebas du cœur. À cause de la colonne de sang, la pression est telle que les vaisseaux à l'intérieur du cerveau devraient éclater. Heureusement, les artères de la girafe au niveau du cou sont équipées de dérivations. Une partie du sang est donc dévié et la pression diminue au niveau du cerveau. Seulement maintenant, il n'y a plus suffisamment de pression pour que le sang remonte jusqu'au cœur. Eh bien, encore une fois, la girafe a tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Elle est équipée de valves, de clapets anti-retour. Le sang monte, franchit une valve et là, il est bloqué. Il ne tombe plus. Par conséquent, le sang monte par palier. Une autre giclée de sang pousse celle-ci jusqu'au cœur, etc., etc. Il faut beaucoup moins de pression. Alors là, j'ai placé 2 valves, mais dans la réalité, il y en a 5. Dans la savane, les girafes vivent une 30aine d'années. Quand elles sont effrayées, elles peuvent courir à plus de 50 km/h. Et vous savez comment reconnaître un mâle d'une femelle? Les mâles attrapent les feuilles situées en haut des arbres, tandis que les femelles, en général, se baissent pour se nourrir. Oh là, ça chauffe, hein? Eux, ce sont 2 mâles célibataires qui s'affrontent pour une femelle. Et le vainqueur pourra devenir un heureux papa. À sa naissance, le petit girafon tombe de 2,50 m parce que la mère accouche debout après l'avoir porté pendant plus d'un an. Et maintenant, Jamy, les lions en liberté. Enfin, je te rassure tout de suite, on les a quand même séparés des zèbres et des autres herbivores, ceux qu'il aime bien se mettre sous la dent. Alors, on dit souvent du lion que c'est le roi des animaux parce qu'il est fier, parce qu'il est fort et parce que c'est un redoutable prédateur. Mais regardez-les, ces lions sont aussi les rois des feignants. Ils peuvent dormir 17 heures par jour. Attention quand même, ils ne dorment en général que d'un œil et quand on entre sur leur territoire, ils peuvent attaquer. Alors, c'est pour ça qu'ici, pas question de sortir de la voiture. On reste derrière la vitre. Qui mange qui dans la savane africaine? Eh bien, à la base de la chaîne alimentaire, il y a l'herbe. L'herbe est mangée par les herbivores, les zèbres ou les gnous. Ensuite, ces gnous sont mangés par les carnivores, les lions ou les guépards. Et puis, ce sont les charognards, hyènes ou vautours, qui s'occupent des carcasses. Alors, je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas éliminer les méchants carnivores qui mangent les gentils herbivores? Bah tiens, on va essayer pour voir ce que ça donne. Allez, miac. Plus de carnivores, que se passe-t-il? Eh bien, comme ils n'ont plus de prédateurs, les herbivores vont se multiplier. Mais comme ils sont plus nombreux, ils vont finir par manger toute l'herbe. Et s'il n'y a plus d'herbe, eh bien, ce sont les herbivores qui finissent par mourir. Mais ce n'est pas tout. Ils ont transformé une prairie en désert, un milieu où il n'y a plus de vie. Par conséquent, tous les animaux ont leur rôle à jouer dans l'équilibre écologique, y compris les lions et les guépards. Et Jamy, viens voir. On va leur donner un petit goûter aux lions. C'est un petit peu exceptionnel, puisqu'en général, on leur donne plutôt à manger. Oh là, il arrive vite, lui. Le soir, alors là, il y a du poulet, parfois c'est du bœuf, et ils sont plutôt bien nourris ici, puisque vous leur donnez combien à peu près de viande par jour? À peu près 5 kilos par jour, par animal. Et c'est toujours le même scénario, c'est d'abord le mâle qui mange. Le mâle dominant, oui. Le mâle dominant qui mange, ensuite c'est la femelle, et enfin les lionceaux. D'où l'expression, Jamy, avoir la part du lion. C'est ça, la part du lion. Les autres attendent pendant ce temps-là. Chez les lions, c'est toujours la femelle qui chasse. Le mâle, lui, défend le territoire et se contente d'arriver pour le dîner. Les lionnes chassent toujours en groupe et s'attaquent surtout aux zèbres et aux gnous. Comme elles sont moins rapides que leurs proies, elles se rapprochent le plus près possible pour la prendre par surprise. L'une des lionnes poursuit la proie, tandis que l'autre l'attend en embuscade. L'antilope, c'est le plat préféré du guépard, le prédateur le plus rapide de la savane. Sur une courte distance, il peut faire des pointes à plus de 100 km/h. Quand il court après une proie, la poursuite ne dure jamais plus de 30 secondes. Ça y est, maintenant que toute la famille est rassasiée, on va enfin pouvoir aller se promener.
Alors là, on va assister à la toute première visite médicale de ces lionceaux. Ils ont tout juste 4 semaines. C'est la première fois qu'on les sépare de leur mère. Il faut faire attention parce que si ces petits lionceaux s'imprègnent de l'odeur humaine, qu'est-ce qui se passe? La femelle, à ce moment-là, la mère peut les rejeter. Alors ça consiste en quoi, la visite médicale? La visite médicale, c'est de regarder sans trop les manipuler si tout va bien. Hein. Mmh. Apparemment, celui-là a l'air en forme. Et puis, on les vermifuge, je les vaccine et ensuite, je les identifie avec une puce électronique. Alors ça sert à quoi? Ça sert à identifier l'animal tout au long de sa vie comme un tatouage chez le chien ou chez le chat. Finalement, ils ont de la chance parce que dans la nature, il y a quand même 80% des lions qui décèdent avant l'âge de 2 ans. C'est vrai, le taux de mortalité est très fort dans la nature et bien moindre en parc zoologique. On peut s'occuper d'eux davantage. Jusqu'à l'âge de 4 mois, le lionceau et sa maman sont séparés du groupe car le petit risquerait d'être attaqué par les autres lions. Et une fois dehors, la mère continue à les protéger. Bon allez, toi t'es assez grand, débrouille-toi tout seul maintenant. Dis donc, Jamy, ça te ferait plaisir de voir un tigre de plus près? Parce que lui, tu vois, je vais pas le rater. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce fusil? Lâche ce fusil immédiatement! Mais non, Jamy, je vais pas le tuer, je vais juste l'endormir. On a besoin de l'endormir pour l'opérer. Regarde comment on fait. On utilise une seringue avec un produit anesthésiant, un produit qui endort. Alors là, il y a 2 compartiments. D'abord un compartiment avec le produit et un autre compartiment avec de l'air comprimé. Lorsque la seringue vient frapper l'animal, l'air comprimé chasse le produit et l'animal s'endort. Bon, je charge. J'essaie de pas le rater quand même. Allez! Oh bah non, il se lève aussi. Mais non, on tire pas. Vas-y, dans la cuisse là, t'es prêt? Paf! Oh bah non, fallait pas tirer sur le tigre. On n'a pas besoin du tigre. Le tigre, il vit pas dans la savane africaine. Il vit ici, en Asie. Enfin bon, maintenant qu'il dort, je vais quand même aller lui dire bonjour. Oh, pauvre gros minou, il est pas sympa ce Fred. Allez, fais un gros dodo. Hé, hey, Jamy, dépêche-toi. Je crois qu'il dort. Oh, dis donc, mais t'es sûr qu'il dort? Il ouvre les yeux. Ouais, mais ça, c'est normal. Et puis quand ça dort pas, hein, des bêtes comme ça, ça peut faire des bonds de 6 mètres de haut. Oh, dis donc. Regarde un peu les crocs. Vas-y, là. C'est pour ça? Regarde. Ça, c'est les canines. Les canines, ça, c'est pour tuer les proies. Et juste derrière, tu as des prémolaires qui permettent de déchiqueter les proies. Voilà. T'as vu les pattes? Dis donc. Vas-y, appuie, là. Ah ouais? Tu vas faire sortir les griffes. Ah là là. Tu vois, il a des griffes rétractiles. Bon, bah écoute. Tu le gardes, hein? Moi, je continue la visite. Bon, d'accord. T'es gentil, hein? Tu dors bien. Mais oui, Jamy, t'inquiète pas, il dort bien. Et heureusement, parce qu'on doit l'opérer. Et oui, ce tigre n'est pas de pure race. On est donc obligé de le stériliser. Ça veut dire qu'il ne pourra plus faire de petits, mais il gardera un comportement sexuel normal. Dans les parcs zoologiques, on essaie d'avoir des animaux de race pure pour pouvoir un jour les réintroduire dans la nature. Beaucoup d'animaux se reproduisent en captivité, comme les hippopotames, mais aussi les lions, les singes et bien d'autres. Pour certains, c'est un peu plus difficile, comme les rhinocéros. Il est bien sage, le tigre. Fred! Fred! Le tigre! Il s'est réveillé! Jamy! Jamy, t'en vas pas, j'ai des copines à te présenter! Non, il s'est réveillé, je vais au camion! Eh ben tant pis pour toi, Jamy, tu connaîtras pas Jenny et Marie, elles sont sympas, elles viennent toutes les deux d'Afrique. Alors c'est vrai que le plus curieux chez l'éléphant, c'est quand même sa trompe. Alors la trompe, en fait, c'est un muscle et elle sert à beaucoup de choses, à respirer, à sentir et également à manger. Regardez comme c'est habile avec une trompe, un éléphant, voilà. Il peut prendre la nourriture et la mettre dans sa gueule. Et puis, la trompe, elle sert également à boire. Attention, ce n'est pas une paille, mais avec la trompe, l'éléphant prend de l'eau et la met ensuite dans sa bouche. En fait, on parle d'une bouche pour un éléphant et non pas d'une gueule. Voilà, c'était bon tout ça? Et au fait, Jamy, tu connais la différence entre un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie? Bien sûr que je connais la différence. L'éléphant d'Afrique, il a de grandes oreilles, pas l'éléphant d'Asie. Et c'est pas tout. L'éléphant d'Asie a des bosses sur le front que n'a pas l'éléphant d'Afrique. Encore une? L'éléphant d'Afrique, il est plus grand et plus gros que l'éléphant d'Asie. Eh mais dis donc, Jamy, tout ça, ça nous explique pas pourquoi les éléphants d'Afrique ont des grandes oreilles. T'as vu les feuilles de chou? Eh ben c'est bizarre, mais ces grandes oreilles servent à réguler la température de l'éléphant. J'explique. On va comparer un zèbre et un éléphant. Le zèbre pèse 400 kg. C'est un gros zèbre. Pour une surface, la surface de sa peau, de 6 mètres carrés. Et 6 mètres carrés,
C'est parfait pour évacuer la chaleur produite par l'animal. L'éléphant maintenant, lui il pèse 4000 kg, 10 fois plus. Seulement, la surface de sa peau n'est pas 10 fois plus grande, tout juste 10 mètres carrés. Et dans ces conditions, l'animal ne peut pas évacuer toute sa chaleur. Et il risque d'être en surchauffe. Heureusement, il y a ses grandes oreilles qui sont parcourues de petits vaisseaux sanguins. Alors le sang circule dans les oreilles et au contact de l'air, il évacue sa chaleur, le sang refroidit. Comme ensuite il circule dans tout l'éléphant, eh bien c'est tout l'organisme de l'éléphant qui refroidit. Et quand l'éléphant bat des oreilles, eh bien c'est pour renouveler l'air, pour mieux évacuer sa chaleur. Pendant des années, l'éléphant d'Afrique a été massacré pour ses défenses en ivoire. Entre 1970 et 1989, 2 millions d'éléphants ont été abattus. Pour mettre fin à ce massacre, les gouvernements ont décidé d'interdire le commerce international de l'ivoire et de lutter contre le braconnage. Aujourd'hui, il reste environ 300 000 éléphants en Afrique, mais ils sont à nouveau menacés. Certains pays africains et occidentaux prétendent qu'il y en a trop dans certaines régions et veulent relancer la chasse aux éléphants. Alors le rhinocéros, lui, ce ne sont pas des défenses qu'il a, ce sont des cancers. Ce n'est pas de l'ivoire, c'est de la kératine. En attendant, ça a l'air quand même assez dur. Eux, ce sont les deux plus vieux pensionnaires d'ici, du parc. Ils ont quel âge à peu près? Ils ont un petit peu plus de 30 ans. Et un rhinocéros, ça peut vivre jusqu'à 40-45 ans, c'est ça? Effectivement. Alors on dit que le rhinocéros ne voit pas très bien, encore qu'il est en train de me regarder du coin de l'œil. En revanche, il paraît que ça entend plutôt bien. Ça entend plutôt bien, effectivement. Ça a une ouïe et un odorat très développés. Ouais. Oh là là, il est à côté des rhinos et il a pas peur. Allez, Jamy, sors du camion, viens les voir, ils sont drôlement sympas. Oh ben non, ça va pas, c'est dangereux. Mais t'inquiète pas, j'ai un fusil, je vais les endormir. Tiens, regarde, on va se gêner. Mais faut pas. Fred, qu'est-ce que tu dis? Une petite fatigue, moi. Dormir. Oh, pardon, Jamy. C'est parti tout seul, hein, j'y peux rien. Ah bah c'est malin, Fred. Bon bah, puisque Jamy dort, je vais continuer. Le rhinocéros a été chassé pour sa corne. Certains pensaient qu'elle avait des vertus aphrodisiaques. Aphrodisiaque, ça veut dire que ça stimule l'appétit sexuel. Mais la corne du rhino, elle n'y est pour rien. Le rhinocéros est aujourd'hui une espèce en voie de disparition. Il n'en reste plus que 2500 sur la planète. Allez, on va donner à manger aux hippopotames. Aujourd'hui, il y a des carottes au menu. Alors les hippopotames, comme ça, ils paraissent dociles, même un peu mous, mais il faut se méfier, car eux aussi, ils peuvent charger. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est assez nerveux un hippopotame. Surtout quand ils sont en extérieur comme ça, car il faut dire quand même que le plus clair de leur temps, ils le passent dans l'eau. Ils peuvent même le passer sous l'eau, car un hippopotame peut rester en apnée pendant un quart d'heure. Allez, les hippos. Et carottes pour tout le monde. T'as pas de succès avec tes carottes, Fred. Moi, si j'étais hippopotame, j'aurais plutôt me baigner. Ah, eh ben, tu vois. Alors, elle est bonne? Ouais, j'arrive. Pourquoi l'hippopotame passe-t-il le plus clair de son temps dans l'eau? Eh bien, c'est pour éviter de se dessécher, de perdre toute son eau, si vous préférez. D'abord, il faut savoir que l'hippopotame, comme la plupart des mammifères, est constitué de 80% d'eau et que cette eau s'évapore par les pores de la peau. Comparons maintenant la peau de l'éléphant avec celle de l'hippopotame. Voici la peau de l'éléphant. La couche supérieure, qu'on appelle l'épiderme, est très épaisse. Elle empêche l'eau de s'évaporer. En revanche, la peau de l'hippopotame est beaucoup plus fine. Dès qu'il fait chaud, l'eau s'évapore. Voilà pourquoi l'hippopotame est obligé de rester dans l'eau pour se protéger. Alors l'hippo sort en général la nuit. Il ne fait pas chaud. Il en profite d'ailleurs pour manger. Bon, évidemment, il sort de temps en temps le jour. Mais là, il se protège grâce à des petites glandes situées sous la peau qui produisent une sorte de gel rougeâtre. Ça forme un écran naturel et c'est ce qui donne cette couleur rosée à l'hippopotame. Oh bah, oh rose, d'accord, mais là vous exagérez les garçons. Bon, ça y est, le parc se vide, c'est l'heure de la fermeture. Allez, tout le monde est bercail, allez les autruches. Bah oui, vous aussi le rhino, allez dépêchez-vous un petit peu. Allez lion, voilà, tout le monde est en place. Lui, il va avoir à manger dans 5 minutes, parce qu'à Toiri chaque soir, tous les animaux rentrent dans leur maison pour être nourris et passer la nuit. Et oui, à bonne nuit. À table! Bon bah maintenant que tout le monde est rentré, on va leur donner une petite gâterie. C'est bof ou volaille. Ce soir, c'est bof. Allez! Joli morceau pour toi. Faut faire attention hein, quand même, parce que des fois,
Ils arrivent à passer les pattes. Allez, au suivant. Une viande saignante, c'est pour qui? Pour toi, la lionne. Allez. Allez, au suivant. Bah, Jamy, qu'est-ce que tu fais dans la cage au lion? Bah, je suis entré par là et j'arrive plus à trouver la sortie. Et je peux pas t'aider, j'ai pas les clés, tu vas être obligé de dormir ici. Quoi, sans manger? Ouais, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour toi, hein. Tu vas aimer ça. Allez, gentil, Jamy, gentil. Allez.